Sister brothers, God bless you so much. And God bless. Thank you. It's better to listen the word of God than we can back. C'est très important d'écouter la parole et après nous allons rentrer encore pour prier et après nous allons terminer. Je pense aujourd'hui et à Pâques pour la vie. Notre Jésus est ressuscité. C'est très important en tant que chrétien de célébrer à Pâques. Au Pâques, Esali, tu as fêté la mort de Jésus et sa résurrection. Et rapide, we need the first. I need to preach the word of God. It's better. We can read the Psalm. Tout autant à des versets. Après, je vais entrer dans la parole. La limite autant à Colossiens, chapitre 3, verset 16. We can go back quickly dans les livres de Colossiens, chapitre 3. Verset 16. Donc, il y a Colossiens chapitre 3, verset 16. Il y a une parole totale après. Donc, on a dit que ces derniers temps, thème n'a pas été exploité et ça ne craint point. Kubangate, Christ a zakat n'a pas été. Kubangate, Jésus a zakat n'a pas été. Période de boyo, période de confusion, période de maladie, période des ans à battre, mais il y a un peu de. Mais yo okoku fate parce que moto na moto azana destiné na ye moto na moto ndé to botamaka moto na moto azana jour na air na ya botamaka moto na moto azape na tanayé yo okoku fate. C'est pour cela en tant qu'un enfant de Dieu il faut confesser la parole de Dieu na période où ya passe na période à trou na période à koufa. Mais en tant que mon ami il faut tout tato là les Écritures de Dieu. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 16, par lui que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. J'ai aimé la parole de Dieu, la parole de Christ habite en vous. La parole de Christ, par lui la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que l'ilobana Christ, l'ilobana Yesu, et fanda katina biso abondamment. Et na Colossiens, et si katoza kotanga, balobina biso, que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Que la parole de Jésus, la parole de Christ, habite en vous abondamment. La parole de Jésus, la parole de Dieu, par exemple, vous parlez que l'Iloba Nanzambe est fan de Katina Piso. L'Iloba Yanzambe, l'Iloba Nanzambe, quand on parle de la parole de Christ, c'est la Bible. Quand on parle de la parole de Christ, c'est la Bible, comme dans la Genèse, Tin Apocalypse. Par exemple, que l'Iloba Yango est fan de Katina Piso abondamment, étonna. L'Iloba na Christ est étonna Katina Piso. L'iloba na Nzambe etonda kati na yo. L'iloba ya Nzambe, l'iloba ya Yesu, l'iloba balobi l'iloba ya Yesu Masia efanda kati na yo abondamment. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Ça est dans la version autres en amour, la version au souvent totangaka balobi que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Mais si vous avez les français courants, j'ai aimé les français courants. Les français courants disent que la parole de Christ habite en vous avec toute sa richesse. J'ai aimé toute sa richesse. L'Iloba Nanzambe est fan de Kati na yo, na ba richesse na yango nyonso. L'Iloba Nanzambe, balobi na richesse nyonso. La richesse avec toute sa richesse. C'est-à-dire, la foi est parmi ma richesse. La bénédiction est parmi la richesse. Ma prière est parmi ma richesse. La confession, la guérison est parmi ma richesse. La sainteté, l'adoration, les actions de grâce, louange, tout ça, ma prospérité, ce sont des richesses. On va dire que la parole de Christ habite en vous avec toute sa richesse. Avec toute sa richesse. Et c'est pour cela, nous, en tant que les prédicateurs, nous sommes là pour tout fin du salut de Banazambe, Katinayo, avec toute sa richesse. Nakolinga sous totangana
2 Timothée chapitre 3, verset 14. Na lingina fondement oyo ndeto bozonga na thème na biso ne crains point. Balobi toi demeurer dans les choses que tu as prises. Apôtre Paul parlait à Timothée son fils spirituel. Apôtre Paul parlait à Timothée son fils dans la foi. Il a dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 14, toi, demeurez dans les choses que tu as prises et à continuer et reconnais certaines, sachez de qui tu les as apprises de ton enfance, tu connais le sainte lettre qui peuvent te rendre sage. Assali par la foi en Jésus-Christ. Na verset 16, yangone na sepeli nango. Toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu, la Bible que nous lisions, balobi, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire même na Genèse, tout bali na Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique, tout ba livre wana nyon sorti na Apocalypse. Balobi écriture wana nyonso ezan inspiré de Dieu. Balobi ezali utile pour enseigner. C'est-à-dire la parole de Dieu eza utile, importance nango ezali pour enseigner. C'est-à-dire quand nous parlons, tant que t'es à 14 ans pour enseigner, quand nous parlons de la part de Dieu, toza kolakisa, t'as la livre, oye balobi boye, t'as la colossien, balobi boye, apocalypse, balobi boye, ville, oye ligu koloba boye, ma kambwana nyonso, toza reparler, balobi la parole de Dieu, ezali pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, c'est-à-dire la parole de Dieu est là, d'abord pour nous enseigner, deuxièmement pour nous convaincre. C'est-à-dire, nous avons besoin de nous convaincre, bah idée na yo, bah pensée na yo, bah décision na yo, peut-être les cocos à la charnelle, les cocos à la ronde, aux cocos à la berrère, mais nous avons besoin de nous convaincre, bah la parole est là pour enseigner, pour convaincre, et troisièmement, bah pour corriger. Nous avons besoin de nous corriger, biso. Kozongisa yo nanzela. Si c'est pour cela, c'est très important. Nous sommes là pour écouter la parole. La Bible nous dit dans le livre de Job, plutôt Josué chapitre 1 verset 8, que la parole de Christ, et cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les et jour et nuit. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont corrigés. Il y a des gens qui sont corrigés. Il y a des gens qui sont d'abord pour enseigner. Il y a des gens qui sont convaincre. Il y a des gens qui sont corrigés. Mais il y a et après, corriger Balobi pour instruire. La parole de Dieu est là pour nous instruire. Et ça, on a pour nous éduquer. Et Balobi, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre dans toutes bonnes œuvres. Tu vois, au moins, il y a un exemple de Zobima. Il y a un exemple de Zobima pour nous enseigner. Et Zobima pour nous convaincre. Et Zobima pour nous corriger. Ils ont obima pour nous instruire, ils ont obima balobi pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire Yozawana, Ozaya Nzambe, l'homme de Dieu, Tozana ba homme de Dieu, Petozana ba femme de Dieu, Tozana ba les enfants de Dieu, c'est-à-dire en général, nous les enfants de Dieu, la parole de Dieu est là pour nous enseigner, la parole de Dieu est là pour nous convaincre, la parole de Dieu est là pour nous corriger, la parole de Dieu est là, pour nous indiquer, et afin que tout à la propre est accompli dans toutes bonnes œuvres. C'est-à-dire, nous avons les hommes, les hommes, et vous ne pensez pas, les bateaux, pas comment un mot, mais ces gens-là, ils étaient inspirés par Dieu. Et ça, nous avons les hommes, nous avons inspirés par Dieu. Parole, nous avons les hommes, nous avons les mais c'est la parole qui vient de Dieu. Pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous éduquer. C'est ça, la parole de Dieu est bimaka. Il y a un moment où que la parole de Christ habite en vous avec toute sa richesse. Il y a un moment où il y a une richesse. Et c'est bima pour nous corriger, et c'est bima pour nous enseigner, et c'est bima pour nous convaincre, et c'est bima pour nous éduquer, et c'est bima
pour la cause de ça parce que Nzamba lingi tous à accompli na ba volonté na makambu nyoso yo ye Nzambe alingi pour la biso et rapidement toke na conteste na biso dans la livre ya Ruth et quickly we go quickly toke na livre ya Ruth parce que ces dernières dont nous allons parler sur Ruth chapitre 3. Nous allons lire Ruth chapitre 3 verset 12. Ruth chapitre 3 verset 12. Thème n'abîme pas les grands points. On les a thème autres au vocabulaire la période autobangaté. Bien sûr, les a période où le monde les a touchés, mais nous les enfants de Dieu, nous les peuples de Dieu ne craignons point. La ligne na zone la rasou makambo mingi na loba kité, mais na zone ngana avancé. Et Nzambe azolo bana yo ko bangaté na ba période ozo passé nango. Dans ma difficulté, ne crains point. Il y a un thème qui est capital, qui est primordial. Mais dans le thème, dans l'histoire de Ruth, nous avons parlé de la vérité pour les fans de Wana. Nous avons parlé de la vérité parce que la parole de Dieu va nous dire qu'il faut être fan de la avec toute sa richesse. Il faut être fan de la avec ma richesse. C'est-à-dire, il faut être dans la parole de Dieu, nous avons de logos, tous à la gana logos, tous à peine rema. Logos est la parole écrite. Rema est la révélation au tous au bimisa na logos. Rema, ce sont des révélations au tous à bimisa na logos. La parole est écrite. Tous à bimisa ma révélation est fandiwana. C'est ça, il faut que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Tu es dans le livre à Ruth chapitre 2, verset. Luc chapitre 8 et chapitre 3, verset 12. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat. Il est vrai bien que j'ai droit de rachat. Wana a dit tout souligné un mot. Et j'ai dit passé, tu parles que Ruth, elle était au pied de Boaz. Tu es comme la phrase Wana. Tu l'as dit, dans l'histoire de Ruth, Kobanda, na Ruth chapitre 3, verset 5, jusqu'à verset 14, et ils en avaient vérité, kake fanduana, ou ezebele, ou tozo lingato yekola. Mais awa, dimanche plutôt, jeudi passé, tolva ki na bison à 14, et si ka Ruth a fandaki, na se a makolo, ya Boaz, tolva ki ke, eza, koza la disciple, ko fanda na se a makolo, veut dire être un disciple, disciple de Jésus-Christ. Wana tolobela ki yango, nazolinga, nazonga lisusute. Poto kambola, moi ma vérité yango, poto le kanako avancer. Parce que il faut que la parole de Christ habite en nous abondamment. Il faut que ma pona ko corriger, ezo bima pona ko convaincre, ezo bima pona ko éduquer, ezo bima pona ko enseigner biso. C'est ça la parole de Dieu. Mais na conteste oyo to tangi eza Boaz azolo bana rite que moi ye Boaz nim tazaki na droit ya kwa arracher ou bien achat ya kosomba rite ya kosomba rite na lobela ki ope dimanche wana kuna na lobela ki yango na lingi sikoto kende na rite chapitre 2 verset 19 rite chapitre 2 verset quickly, go quickly, Ruth chapitre 2. Sa belle-mère, Ruth chapitre 2, verset 19, sa belle-mère lui dit, où as-tu le grenier aujourd'hui? Et où as-tu le travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Bien s'appeler Boaz. Dans verset 20, Naomi dit à sa belle-fille, Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricorde pour les vivants, comme il le fit pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Nalingito souligné, cet homme est notre parent. Lui dit
Naomi. Naomi disait à Ruth, cet homme est notre parent, lui répondit Naomi. Il lui dit, il est de ceux qui ont sur nous droit d'achat. Il est, Balobi Awanali, on souligne une phrase ouana. Il est de ceux qui ont sur nous droit d'achat. Chat. Yendazan a droit d'achat. Quand on parle d'achat, Kosoma Yende Boaz. Aza Awa Mutaza qu'on parlait. C'était Naomi qui disait. Nalingi, vraiment de souligner Naomi qui disait. Nalingi ango vraiment da, Naomi de Mutazoloba. Na verset 20, Babi, Naomi dit à sa belle fille. Naomi aza qu'on parlait na sa belle fille. Aza koye bisaye. Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricorde pour les vivants comme il le fit pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi. C'était Naomi qui disait à Ruth. Naomi parlait à Ruth. Naomi a révélé. C'était Naomi qui montrait à Ruth des choses que Ruth ne connaissait pas. C'était Naomi. Yendaza kolakisa na Ruth. Makambo Ruth a ébakité. Naomi disait à Ruth. Il lui montrait à Ruth. Parler à Ruth. Parce que Ruth n'avait pas qui Boaz était. Mais c'était Naomi qui connaissait Boaz. Et Naomi disait à Ruth des choses concernant Boaz. De temps en temps, voilà de temps en temps. Et Logos, Eza Logos, Lilobande Tozotana Yango, Eza Logos. Mais na katia Logos, Tozo linga to bimisa pense likanisidini. Likanisidini za mazo linga lobela biso. Quand nous lisions la Bible, nous lisons, ce sont des Logos. Logos, c'est la parole écrite, c'est la littérature. Mais il faut maintenant entrer dans Réma pour parler maintenant des révélations que le Seigneur veut maintenant nous parler maintenant. Le Réma, c'est maintenant. Ce que le Seigneur veut pour ta vie, ce que le Seigneur veut pour ma vie, c'est ça des rémas. Des rémas, ce sont des paroles, des révélations que le Seigneur nous montre maintenant pour t'orienter, pour t'aider, pour t'enseigner, pour te convaincre, pour te corriger, pour nous éduquer. C'est ça des rémas. Que la Bible nous parle ici que la parole de Christ habite en vous. Abondamment, que nous allons faire dans la carte de la vie sur abondamment. Awa tozo ko parler Naomi aza ko parler na Ruth azo ye bizarit kuna tomoni ke Boaz ye moko lobi na Ruth ke ngande na za na droit ya kosomba yo et awa tomoni nde Naomi aza ko parler na Ruth azo ye bizarit concernant Boaz. Je vous ai dit le dimanche passé, je vous ai montré, je vous ai dit que Naomi et ça, parce que comme Naomi, le nom Naomi veut dire la grâce. Comme Naomi, elle dit que la grâce, Ngolou, Moutouazan Ngolou. Naomi veut dire la grâce. Mais tandis que, je vous ai dit que, Ruth, elle était attachée à Naomi. Je vous ai dit que, si c'est à Ruth, Ruth a comment qu'il a destiné Naye, parce que Ruth, elle était attachée à Naomi. Je vous ai dit, il faut connaître maintenant ton Naomi. Et il faut maintenant être attaché à ton Naomi. Oyaza Naomi na yo yo foye baye. Puis à part ça, faut kangamana Naomi na yo. Wana na lobe la kibiso. Et la ki dimanche passé. Na lobe la kibiso. Naomi, à cause la camarade na yo. À cause la ami na yo. À cause la voisin na yo. À cause la professeur na yo. À cause la motomoko boye. À cause la motomoko. Oyaza tout autour na yo. Oyaza motivé yo. Ok, de liboso. Oya zo ko bakisa plus na vie na yo. Ok, de liboso. Aza Naomi na yo. Oya zo ko push yo. Aza Naomi na yo. Peut-être à cause un peu professeur. Peut-être à cause un de komoko boye. Oyo aza ko aide yo. O sa de lo komoko. O avance. A cause un peu mbali na yo. A cause un peu mwasi na yo. Oya zo motive yo. A cause un peu mwana. A cause un peu parent na yo. A cause la maman na yo. Papa na yo. Mais aza wana role na yo. Azo move yo, azo move yo, aucun de fold, aucun de liboso. Netolobi aza Naomi. C'est ça.
c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation. Onza mazolo be na biso. Mais la ligne sous to kende li sous to pousser li sous. Penser na biso au plus profond li sous to kende sous musika. Ndoto kende li sous musika pour tout bimisa li sous ba rema o efandi wana. Parce que na rema na kati na rema li lo wana nzambe eza na mesure mon côté. Eza seule limite. Na rema toza ko kende musika toza ko fumula li loba na nzambe li sou to comprendre ba vérité eza na kati wana o toloba ki ke Naomi aza moto aza pembeni na yo o aza ko move yo o kende liboso o ba ki sa plus na vie na yo na vie foto luka ba Naomi na biso to kanga na bango pe to kende liboso o bango ba aza na pona ko move yo o sala o kende na destinée ou bien o sala ba exploit o mata liboso wana to parla ki na yango et a part dans ça il a pas sa sou vérité mususu ezaka na kati ya conteste wana parce que na kati ya rema na monde ya rema eza na ba vérité ebele bible lobi liloba soke bimi liloba na kati ya liloba bible zo loba témoignage ya moto moko to ndima yango te mais soki témoignage comme une deux trois il faut to ndima yango liloba na nzambo to tangaka soki otangi liloba na nzambe. Et ça là bas passage musu sous biblique où ils ont confirmé ma kambo yozo linga el oloba c'est ça rema c'est ça ton di mayango et awa na lingi na parlé si qu'on a pas na nzambe na lingi na parlé na église nzambe na lingi na parlé na bana o ya nzambe ba o ba dimeni Jésus le gola mon konzi plutôt pe mo bip ici na bango Naomi et ça peut image à Saint-Esprit. Maintenant je vais vous parler de Naomi comme le Saint-Esprit. Parce qu'il faut que nous comprenions que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de grâce. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de grâce. Saint-Esprit, c'est l'Esprit de grâce. Tandis que Naomi veut dire la grâce. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de grâce. L'Esprit de l'intelligence, l'Esprit de la force, l'Esprit de vie, l'Esprit de paix, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit, Azana ba kombo na ba pesaye, et parmi ba kombo ya Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il porte aussi le nom de l'Esprit de grâce. C'est pour cela que je vous ai dit que le Saint-Esprit est notre Naomi. Elle est là, le Saint-Esprit, il est là plutôt pour t'aider dans la foi, de progresser dans la vie spirituelle et de t'aider à arriver vers Boaz, le Saint-Esprit va t'aider dans cette vie que nous vivions, dans cette terre que nous sommes. Nous avons besoin du Saint-Esprit en tant qu'un enfant de Dieu. C'est très important d'être attaché à Naomi, qui est le Saint-Esprit. Je pense que tout le monde comprend. Il y a un hôtel, il y a un ensemble, il y a une richesse. Saint-Esprit a joué le rôle de Naomi. Celui qui est dans Hébreu, chapitre 10, verset 29. Hébreux chapitre 10 verset 29. Bandeko yo o bazako komaka pour aider batu ba saisir ba passage. Net passer Lina ba mabeti ba ser nanu o ya zana na facilité disposer a koma passage ona koma yango po e na kapo. L'Iluananda me fait fan la carte na biso abondamment. Que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Que la parole de Dieu habite en nous avec toute sa richesse. Hébreux chapitre 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne de celui qui aurait foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aurait tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié? Na phrase ou asuka. J'ai aimé phrase ou asuka, yango parce que ma révélation n'a plus de fin du wana. La phrase asuka balobi, et qui aurait outragé l'esprit de la grâce? Qui aurait outragé l'esprit de la grâce? On nous parle ici, Jésus, parce que Jésus-Christ, il avait donné sa vie pour nous sanctifier. Mais qu'on a pas d'oloba, moutouana, qu'on outrage, insulté, outrage veut dire insulté, l'esprit de grâce. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il est notre Naomi, parce que Naomi veut dire la grâce, le Saint-Esprit c'est l'esprit de grâce. Et même si vous lisez dans les livres
Zacharie chapitre 12, verset 10, la Bible nous parle, Nzambe akosopa non l'Éternel akosopa na Jérusalem l'esprit de grâce. L'esprit de grâce, on nous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de grâce. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sagesse, de l'intelligence, de la force. Le Saint-Esprit, il joue aussi le rôle de l'esprit de grâce. Naomi veut dire la grâce. Le Saint-Esprit veut dire aussi la grâce. C'est pour cela que le Bible est un témoignage. Il y a Batomi par les photos du Mayango. Dans Israël, ce que vous avez compris, c'est un témoignage concernant ami naïe, voisin naïe, prochain naïe, ce qui est un témoignage à Motomo, on dit Mangote. Mais il faut être un témoignage. Il y a deux ou bien trois personnes pour Bandi Mayango. Il y a précisé son passage. Oh, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de grâce. Dans Hébreu, il y a précisé son Zacharie 12 chapitre. Dans Zacharie 12 chapitre 10, il y a Saint-Esprit, l'esprit de grâce. D'où est un témoignage, des témoignages, des passage, ils ont parlé sur le Saint-Esprit, l'esprit de grâce. D'où le Saint-Esprit, c'est notre Naomi. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous aider, de t'aider dans la foi, de progresser. Le Saint-Esprit, il est là pour aider rite. Je vous ai dit que toi, tu es rite, aux arites, aux arites, aux beautiful. Arites, il est comme un beautiful. Jésus-Christ, il avait donné sa vie afin que son église est à la beautiful. Je vous ai montré les jeudi passés, dans le passage, il y a un Pierre, Bazoloba, dans 1 Pierre chapitre 3, Bazoloba, Sokotangi, dans 9, 14, Bazo parlait dans Bisso, dans la beauté, on a Bazo Senga, et sa beauté intérieure. Zambé Alinaka, beauté au Ezali, beauté intérieure. Dans la beauté au intérieure, il y a un monde qui est au Venga, et ça rite parce que Kombo rite veut dire beautiful. Rite est une colba beautiful. Il y a un exemple, la personne qui a donné sa vie à Jésus, la personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la personne qui est née de nouveau, elle est rite. Azarite, rite c'est l'église, rite c'est la femme du Seigneur. D'où le Seigneur, il y a un exemple qui est beauté, on a besoin de la beauté, on a besoin de la beauté, parce que Bible est là, Zambé, à Talaka, na où ils ont pété dans la misouté, mais le Seigneur nous regarde nos cœurs. Le Seigneur, il voit nos cœurs. Nos cœurs, il faut être à la circoncis. Quand ton cœur est circoncis, quand ton cœur est né de nouveau, la nouvelle naissance, la Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées. C'est ça la nouvelle naissance, c'est ça la circoncision, c'est ça beauté onzambazo senga, harmonie onzambazo senga. Et à partir de cela, c'est pour cela que nous avons dit que nous avons dit que nous va rancune na mitema tous ala na problème na mitema tous ala ko yima na mitema négativité na mitema to lela kaka au comment na sens ça il y a négativité ba parole la négativité ba blessure intérieure non il faut ba biloko na nyo seul longwa ba blessure intérieure il faut longwa ba déception intérieure il faut longwa au comment ou ba mon kilo to zo vim vrai et ça na ba coup et ça na ba déception et ça na ba rejet et ça na ba critique ou ils ont linga et affecté ta vie. Mais yo dit le bananza mezawana pour na ko corriger yo pour na ko éduquer yo pour na ko convaincre yo. Il le bananza mais des fois soit place na mitema na yo. Et la parole de Dieu fait soit place na kati ya bon moi na yo. Pour tous à la négative tu pour ba de mérite comment ba négative. Autant la gamme comme na sens négative au mon na gamme tu na sens négative au comment autant la libala no na sens négative au comment autant la ba camarade no na sens négative au comment autant la ma union so na sens négative le ngola yango volonté en zambe eza au ba na pe ko tala ma na sens positive. C'est pour cela le Saint Esprit est là pour nous aider. Toi tu hérites il faut tout le ngola babilo ko nyonso et ko otinda biso to nuna. C'est ça, on va dire baride, baride, on va dire baride, na madame. Te, faut longo la Bible, parce que la Bible nous dit le Seigneur a donné sa vie afin que l'église soit une église glorieuse. Ni ride ni tâche. C'est-à-dire, yo Seigneur, osa la, yo rite, osa la sans tâche.
tango aba ayo nazolo ba nazomo na monsieur depo nimela Jésus obi ke okoma na beauté moko ayo mona ba batu mususu okoma na sans zambe tala ozotala ye aza dépassé na ba problème sans zambe ozomo na yamba bazuki na ba drogue ba bazuki na ba masanga ba bazuki na ba nzira mabe parce que ba problème ya vie ba kou ya vie ba déception ya vie etinda ba tubaza la bongo mais nous avons reçu Jésus, nous avons donné nos vies à Jésus, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes rite. Et moutou azarit, azan la beauté intérieure, moutou azarit a bongisi nan zambé, moutou azarit azan la beauté mouk intérieure, on zamba zo sepe la nango, yamon alobi ozarit, ah, parce que, ah, yamon sambe la rapo zarit, ko, yamon amon ava okimaka, ouke naga na église, ouke naga na intercession po zarit, ko, yamon adora ka, eko maga na mouma moko fuka mi ozo po adore, po zarit, ko, yamon linga gotanga galilo bananza po zarit, barit, baso akata ago, If you love somebody, you need to give time to her. If you love a woman, you ayayayaya English. Tala sumuto balinga ba pesa kaeta. Soko lingi Seigneur, faut pesa Seigneur ata. Oye bien, l'amour. So qui na lobina définir l'amour. Eza na un dictionnaire biblique. Balobi l'amour veut dire penser à. Penser à. Ce qu'on lingaka, Jésus, ou quoi penser na yé, c'est ça, aimer. Aimer veut dire penser à. Nzambe, aza, a tala Jésus, na biso yo za riti, rita bongisa, yamona zomona, a tala harmonie. Ou ebi ketango yaga na prière, ba ange sika bazo fanda, bazo kango, babi, tala harmonie, rite na boaz, ah, c'est ça, yamon il faut sambe laka, harmonie, ezali entre, balabi Marie, avec sa femme, Jésus Christ, c'est lui qui est nous sommes l'épouse du Seigneur. T'as la harmonie, wana. Ba ange, bazou sepela nango. Les 24 vieillards, bazou sepela nango. Ba mititi, da ba ange, na li koleska ba fangi, bazou ko sepela. Na li bala wana, bazou ko sepela. Na harmonie wana, bazou ko sepela. Na couple wana, couple wana, les a yo. Na Jésus, on a dit que yo za rich. Rite, c'est pour cela, madame, c'est un passage, balobi que, Naomi a zolo plutôt, Boaz a zolo ba, nation, n'a mbimba, et puis, une femme de valeur, une femme parfaite, le femme parfaite, femme parfaite. Vous savez que la Bible, comme vous disiez, la Bible nous parle. C'est nous les enfants de Dieu, afin que, dans le livre à Romains, chapitre 12, Bazoloba, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous compreniez ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, nous les enfants de Dieu, le Seigneur nous a amenés à comprendre ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur, Azulinga, nous arrivons à connaître que c'est parfait. Parce que position la Bible, c'est parfait. Parce que Ruth, elle était une femme parfaite. Il faut ta façon de vivre est la différente. Ta façon de parler, il faut que ta façon de parler soit différente. Ta façon de raisonner soit différente. Ta façon de vivre, il faut qu'elle soit différente. Pour Yosarit. Et je vous ai dit que la personne qui va nous aider, c'est Naomi. Naomi, elle joue le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de grâce. Vous savez, je vous ai dit que la personne qui avait aidé Naomi plutôt, la personne qui avait aidé Ruth, c'était Naomi. Et la personne qui nous aide, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Je vous ai montré dans la Bible, c'était Naomi qui disait à Ruth, voici Boaz. C'est-à-dire la personne qui montrait à Boaz. À Boaz, plutôt, la personne qui montrait Ruth, Boaz, c'était Naomi. Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous aider à connaître Jésus. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de montrer à son Église qui hérite, qui est Jésus. Vous savez aussi, c'est pareil aussi à l'histoire d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui est dans le livre de Genèse 24, si vous commencez dans le verset 1 jusqu'à dans le verset 10, la Bible, dans le verset 1, la Bible nous dit, l'Éternel avait béni Abraham en toutes les choses. Abraham appela son serviteur le plus ancien de sa maison. Et Abraham lui avait, maintenant Abraham envoya son serviteur Eliezer
pour aller chercher la femme pour son fils Isaac. Et en lisant ces contextes, vous comprenez que contexte yango spirituellement ezoko kaka na rit na histoire ya Naomi tanga kaka zo rit comme Marit na rencontre ya Boaz. Et kuna tomoni les serviteurs d'Abraham, c'était lui qui avait montré, parce que la femme c'était Rebecca. Yenda la kisa ki Rebecca Isaac. Isaac, c'est Jésus-Christ. Rebecca, c'est l'image de l'Église. Le serviteur, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est pareil aussi. Ici, quand on lit la Bible, nous voyons maintenant Naomi qui veut dire la grâce de Dieu. Naomi qui a dit à la femme Ruth, qui est l'image de l'Église, voici maintenant celui-là, il est notre parent. Celui-là qui a le droit de rachat. Le droit de rachat dans la Bible, c'est Christ qui a le droit de nous racheter. C'est Jésus-Christ qui nous a racheté de la malédiction. Et le Saint-Esprit, son rôle, il y a Saint-Esprit et Zali, qu'on prépare. Il y a un total dans le passage où ils ont parlé sur le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il y a Naomi. Tandis que le Saint-Esprit, il y a Naomi, il y a le Saint-Esprit, il y a Naomi, il y a Ruth. Il y a un droit d'achat. Il est capable de consommer, yo. Il est capable de nous a na yo na inga. Yende Jésus-Christ. Na ligito tanga na Jean chapitre 14 verset 16. Et moi, Jean chapitre 14 verset 16. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit demeurera éternellement avec nous. Vous savez, l'importance du Saint-Esprit, il demeure éternellement avec nous. Vous voyez, pour la ligne de Jésus, il fallait Jésus attendre. Parce que Jésus t'a envoyé qui? Jésus-Christ a zala qui? Le territoire mokobo et quelconque. Kuna, la Palestine, kuna, na mboka moko boye, na lié moko boye. Bongo bato bazalaki na Afrique. Bongo bato bazalaki na Europe. C'est-à-dire Jésus a yakité pour la bango. Non, Jésus a yakité pour la bisognons. Mais avantage, il y a Saint-Esprit. Et ça dit que Jésus son kaké, Saint-Esprit, a dans un territoire mon côté, na lié moko boye te, quelconque. Mais le Saint-Esprit a causé là, na monde mobile. Le Saint-Esprit, il sera invisible. Dégit aux hommes, le virus oyo, bazo parler na biso na virus, virus oyo, coronavirus, est invisible mais en partout. Le Saint-Esprit aussi, il est partout. Pour comprendre, vous en avez idée, vous avez un peu virus oyo, ils ont agi awa, en Angleterre, en Chine, en États-Unis, partout, en Afrique, virus oyo, ils ont quota. Mais rôle du Saint-Esprit, il est à Zabongo. Saint-Esprit, il est partout. Tandis que le Saint-Esprit, il lui donne la vie. Virus, ils ont bon mal. Ils ont détruit. Sur les côtés de la vie, ils ont détruit les organes à Moutouna Kati. Ils ont détruit les organes dans les côtés de Kati na Moutou. Parce que, à travers le souffle, ce qui est côté, au lieu de vous voyez battre les côtés des gens Kati na yo. Et tant que le côté est banni, qu'on s'est manifesté maintenant dans ta vie. Et il y a un peu de monde là. Ben, fait, non, mon Koufi. Mais quand le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'esprit aussi de vie. Parce que Saint-Esprit, esprit et lui koloba, l'esprit et lui koloba souffle. Saint-Esprit veut dire souffle. Na hébreu, mou pepe. Yango mouni nzambe, tamba salaki mouta foulaki a fouli, mou pepe, na veut dire l'esprit. Souffle, c'est esprit. Saint-Esprit sera continue la vie à moto. Il lui donne la vie. Le Saint-Esprit est partout. Dans la vie, avantage à Saint-Esprit, Aza partout. Dans le moment où il est partout. Et le Saint-Esprit, il représente Jésus. Le Saint-Esprit, il est là pour aider l'Église. Le Saint-Esprit, il joue le rôle de Naomi. Elle était là, l'Esprit de grâce. Quand on parle de l'Esprit de grâce, même si tu fais l'erreur, elle est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. C'est l'Esprit de grâce. L'esprit de grâce, vous savez, la Bible nous parle, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le
Le Saint-Esprit, il joue le rôle de l'Esprit de grâce. Il est là, le Saint-Esprit est là pour aider l'Église de s'avancer dans la foi, d'avancer dans notre destinée. Et Naomi, elle a dit qu'on a donc au Sunga. On m'a dit, ah, Barbie, la biso, ce qui te tangue, dans le passage, on t'a tangue, hein, Barbie, la biso, ce qui te tangue, dans le verset 17, l'esprit de vérité. On m'a dit, ah, bah, l'esprit de vérité. Babengie, le Saint-Esprit, babengie, l'esprit de vérité. Ce qui te continue, on va parler sur le Saint-Esprit. Mais, dans le guide, on t'a tangue, dans Jean 16, Jean 16, verset 7. Ce qu'on va dire dans verset 7, Jésus a le besoin avantagé que nous avons parce que ceux qui n'ont été morts, mon sang a été, les consolateurs ont été. Mais ceux qui ont été dans verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. À ce qui concerne le péché, parce que, au moins, ah, Saint-Esprit, à convaincre le monde. Le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, comme je vous ai dit que Ruth, elle était là, elle parlait plutôt, Naomi parlait à Ruth. Convexation, il y a Ruth dans Naomi. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Dans un moment de faiblesse, on va nous voir pas sur le banon tellement bon de là. Et quand tu t'arrives, on se montre pas sur le banayo, Mikoloyo, vie spirituelle des anassés, Mikoloyo, on se yima yima minge, Mikoloyo, on se tend la Bible et c'est le rôle du Saint Esprit. Le Saint Esprit, on se voit tant qu'on voit quand tu n'as ah, la tangi Bible est telle, la bonne élite, c'est le Saint Esprit, c'est le rôle du Saint Esprit. Dans verset 13, Marie. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, comme Ruth, elle était là, elle était Naomi. Elle était plutôt Naomi, elle était là pour aider Ruth. Naomi, elle était là pour aider Ruth. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans la foi. Elle nous parle de la vérité. Comme Naomi parlait de la vérité à Ruth. Elle montrait à Ruth et Boaz qui est le trou. Oh, ils sont capables. Continuer. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Tu vois le rôle du Saint-Esprit? Il me glorifiera. Il vous dira les choses à venir. Le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est ça, Ruth. Dans le monde, on dirait dans le monde, on va vous aider à vous aider. Dans le monde, on va avancer. Esprit de vérité, ce que vous avez dans Romains 8, verset 2, vous parlez l'esprit de vie. L'esprit de vie. Vous avez l'esprit de vie. Si vous lisez, Des Corinthiens, chapitre 4 et 13, Babengi, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de foi. Si vous lisez, c'est pour cela que je vous ai dit que nous avons besoin de la foi, de marcher dans la foi. Le Saint-Esprit, Babengi, est l'esprit de foi. Dans la période où il y a maladie, il y a virus, coronavirus, il faut avoir la foi. Que Simba yote, et que touche yote, et touche Ndakuna yote, et touche Banana yote. Bon, même la guerre. Militaire, ce cas où qu'elle est la bitumba, na mutu na yeba kene na kibo na rozonga. Militaire, mon côté la ne na kibo na roku falangate. Na kati la mutu ya militaire a dit que ceux qui na kibo bitumba na rozonga. Et puis souvent en Angambe, nous sommes des militaires aussi. La Bible nous dit de combattre le bon combat de la foi. Apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et dans la période où il faut maintenant montrer ta foi, la Bible nous dit montrez-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Dans la période où il faut, et pour cela je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de foi. J'ai la foi que virus que Simba Nagate. J'ai la foi que virus que Simba Banangate. J'ai la foi virus que Simba Libotanangate. J'ai la foi virus Oyo. Et que Zalanil est sans effet. Comme il y a moins invisible, la peine invisible.
invisible. In the name of Jesus. Alléluia. Et babengi l'esprit, ce qui est dans 1 Pierre, chapitre 4, 14, babengi le Saint-Esprit, l'esprit de gloire. On m'a dit, babengi l'esprit de gloire, babengi l'esprit de Dieu, babengi, on m'a dit avant, 1 Jean chapitre 4, verset 14, babengi l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu. Babengi de gédémeré 4, n'a plus ce que Zalana Bissot. Le Saint-Esprit, son rôle était avec nous. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut que tu sois attaché à Naomi. Et notre Naomi, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous dis que le Saint-Esprit, c'est plutôt Naomi. Nabiso est un Saint-Esprit. Azawana ponako. Et Nabiso, kola ki sabiso boaz. Oyazana, droit d'achat pour Nabiso. Droit d'achat. O baso ben la rédemption. Baben la rédemption. Rédemption, Jésus dans un droit y a consomme. Bisous de la Bible, le salaire du péché c'est la mort. Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Mais c'était Boaz qui avait donné sa vie. Et Boaz, c'est Jésus. Il est dans un droit y a consomme. Bisous. Quand plutôt Job a disait mon rédempteur est vivant, c'est Christ qui est notre rédempteur. La rédemption, c'est Jésus-Christ. Il y a somba yo, a somba nga. Na makila na ye, na vi na ye. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Lévitique 11, par lui, vie est à la makila. Et Jésus-Christ, à travers son sang, à travers sa vie, le sang de Jésus symbolisait sa vie. Jésus avait donné sa vie pour te libérer, pour me libérer. C'est ça la rédemption. Il nous a rachetés. Nous étions des esclaves. Mais Jésus-Christ, à travers sa mort, il nous a libérés. Il t'a libéré. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1 à 2. Et dans la condamnation, mon côté, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Galates nous dit, Galates chapitre 3, la Bible nous dit, Galates chapitre 3, verset 13, par le Christ nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous. Il est comme malédiction pour la puce. C'est ça, rachat. Jésus t'a racheté. Il m'a racheté. C'est pour cela, si vous lisiez dans la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans verset 24, Balobi, ils y sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Rédemption, c'est rachat. Rédemption, c'est la rédemption, c'est ça. Rançon à son babiso. Jésus-Christ à son babiso. Tozaraka esclave. Tozaraka esclave à Masumu. Tozaraka baoum à Masumu. Mais Jésus-Christ t'a racheté, m'a racheté. C'est Ruth Boaz, même la somme qui symbolisait Bible, au moment là. Tant que Moutazo Koloba, Narite, Moutazo Boaz, Azoloba Narite, Boaz, capable de somba yo, Eza Boaz, Boaz est né, Aza image à Jésus, Ayaki Koku fait la mokili. Jean-Baptiste, il a montré aux Juifs, il a montré au monde, il a dit voici l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, Jésus-Christ. La Bible nous dit que celui qui a le Fils, Jésus a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous avons la vie parce que nous avons Jésus à nous. La personne qui a donné sa vie à Jésus, la personne qui a reçu Jésus, il a la vie éternelle. Les dons gratuits de Dieu, c'est Jésus, la vie éternelle. Et la Bible nous dit, c'est Christ, il t'a racheté, il m'a racheté. Et si vous lisez dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 7, Balobi, lui, en lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Si vous lisiez dans les livres de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Aïe, 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 aïe. Balobi, kuna basom bibi sauté, n'a pas chose périssable. Mais Balobi, il nous a racheté. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 18. Balobi, awa, il nous a racheté à travers le sang de son fils, le sang précieux. Dans 19, Balobi, par le sang précieux de Christ.
comme un agneau sans défaut et sans tâche. Et si vous allez, vous lisiez dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 12, Balobi, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Rendez grâce au Père qui nous a libérés, qui nous a rendus capables d'abord d'avoir part à l'héritage des saints. Et il nous a délivrés, c'est-à-dire la délivrance c'est d'abord spirituel. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans les royaumes de la lumière. Dans la compréhension, madame. Et comment spirituel. Et comment la bataille et débit. Visa carte. Au son bien, nous avons les transactions spirituelles. Transférer. Oui, ça spirituel, oui, ça important, et ça somme, et ça n'a pas de carte à carte, mais somme, on est comme il transféré. Il y a autre vie, âme, il y a un esprit, il y a un désir très important devant Dieu. Mais quand il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, bah, on dit maintenant, carte est accord, oh, carte est accord, mais esprit, il y a un âme, il y a un, et comme il transféré, et dans le royaume, il y a ténèbres, bah, transférons dans le royaume de la lumière. Il nous a transférés dans le royaume de la lumière. Dans verset 13, hein, Colossiens chapitre 1, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés, transférés, transactions. Balongolanga, balongolanga dans le royaume des ténèbres, comment? Bah, même dans le royaume à lumière, comment? Corps, âme, bah, esprit, naïol, na âme, naïol, et dans le royaume à lumière. Bah, nous qui va aussi m'en rendre, il faut, dans le royaume à ténèbres, dans le royaume à lumière. Esprit, dans le royaume à lumière. Esprit, corps, âme, dans le royaume à lumière. Dès que n'a pas si son réalité, il y a carte bancaire. Carte, zawana, mais somme, n'est pas important. Il y a moi, Jésus a dit, besoin de mon cliniment, besoin de mon clignoté. Parce que le corps est sur cette terre, mais mon esprit, et mon esprit et mon âme est transféré, translation. Ce que nous avons la facilité à dire, c'est que nous avons la banque, et comme la minute, nous avons la transféré, la minute, nous avons la banque à mon moussous. La personne qui a reçu Jésus comme Seigneur, c'est la minute, nous avons transféré. Donc, il y a aussi une baïoté dans le nom de Jésus. Coronavirus et les symbiotes dans le nom de Jésus. Parce que bah, dit Jésus qui s'est dit à qui va malédiction à Bissot. Coronavirus et sa maladie. Et sa virus et son bon mabato. La mort. Maladie. Jésus-Christ dans Galates chapitre 3, verset 13. Bah, dit, il a porté nos malédictions. À même qui malédiction à Bissot. Dans Esaïe, dans le livre de Jean, Bazoloba, Jésus-Christ, a même qui ba maladie nous soya biso. Et c'est pour cela, bah, il nous a transférés dans le royaume. Ce qui est dans le verset 14, Colossiens chapitre 1, verset 14, à qui nous avons la rédemption. La rédemption. Rédemption, il dit Koloba, achat. Rédemption, il dit Koloba, rançon, basombio. Jésus a foutu un bon à son baillot. Osaka esclave à Massoum, Osaka esclave à démon, Osaka esclave, il y a malédiction, Osaka esclave, Obitoza, Namukilio, Toso vivre, les gens m'ont rebellé, Outa na famille, les gens ont malédiction, il y a la famille, voilà. Oza na katinango. Outa na tribu, wa les ala malédiction, et n'a la tribu, wa oza na katinango. Moukili otto zo fan, les ala magamwe belé. Les ala ba malédiction, les ala ba loi. Oué kanga kabatu. Mais la personne qui a donné sa vie à Jésus, balobi Jésus Christ, il nous a racheté. La rédemption. C'est mouni balobi à qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés.
Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Toutes choses subsistent en lui. Jésus-Christ, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein sa vie. Et s'il est mon entier, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là avec. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. La virisio, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Je dis à vous, na souffrance, à vous, je vous ai montré dans ma balade du matin, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, parce qu'il faut que nous comprenions que le Saint-Esprit, il joue le rôle. Boaz a joué le rôle, plutôt. Naomi a joué le rôle, il y a Saint-Esprit. Mais il faut que Saint-Esprit, il y a des moutons, à jouer un rôle, il y a Jésus. Jésus est à l'icône, Saint-Esprit est à la scène, a remplacé Jésus. Il y a un bébé plutôt consolateur, un bébé paraclète, paraclète, nous qu'on va remplacer. Il est là, il remplace Jésus. Et ça, le rôle à tout le monde en Afrique, Moutosa Awa, au Tindimbo, en Afrique, Baba Lelo Moassi. Parce que petit frère, Nayo, a joué le rôle Nayo. Petit frère, Azawana, il a joué le rôle Nayo. A confondre la place où il faut confondre. A reçoit ba honneur union ce pour qui va payer ça et pas inayo ba payer ça pour payer ça pas inayé. Saint Esprit a joué un rôle là. Paraclète, il veut le remplacer. Et paraclète, qu'on a parlé le Saint Esprit, l'esprit de grâce. Aïe 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 aïe. Vous voyez quoi le Saint Esprit, il est là, il joue le rôle. Celui d'Otani dans Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3 verset 13. Balobi, Vous qui étiez morts par vos offenses, verset 14, il a effacé l'acte et donc les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouillant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés en public. En public, les a livrés en public, en triomphant d'elle par la croix. Jésus-Christ, tu vois, rôle Jésus à Salaki, il nous a, et par lui, il a effacé l'acte, donc les ordonnances qui te condamnaient, qui me condamnaient. Jésus-Christ a effacé ça qui en haut, ma malédiction, qu'il a effacé ça qui en haut, maladie, qu'il a effacé ça qui en haut. Yango, attends que moi, madame, il faut confesser la parole, il faut confesser ce que Dieu dit, il faut déclarer cela, il faut réclamer, proclamer, confesser la parole de Dieu dans ta bouche, parce que Christ, lui, qui a effacé à Kataki, à Pansulaki, va condamner sur Nyonso. Vous savez ce que tu as dit, chapitre 2, verset 11. Rite, chapitre 2, verset 11. Ce qui t'a dit, Wana, tu as dit, Rite, chapitre 2, verset 11. Mais la ligue tout le temps, on a vu son verset 14. Au moment du repas, Boaz a dit à Rut, approche, mangez du pain et trempez ton morceau dans le vinaigre. Ah, elle s'assit à côté de. Ah, tu vois, ah, na sepelika de Sikabalobi, Boaz a béni Rut. Na, 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 na,
na champ de moisson obi histoire oyo ezama ka bebele nda bazo revelenga na champ de moisson ba revelation fani wana makambo ebele ba serviteur a Boaz makambo ebele za wana ana zo yebate makambo so na bien de parler na biso makambo ze bele attend que la parole de Dieu ntoto so kota na monde ba rema ezana ba makambo ebele nda bazo nga alo bela biso mais la ligne ka to tanga na phrase o ba lui au moment du repas Boaz a dit à Rit approche mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. T'as la Boaz a bengirit. Boaz a bengirit. A bisirit, zoalipa. A bisirit, zoalipa. A bisirit, zoalipa. A zoalipa, a trempe en haut. Plutôt, zoalipa, a dinisa, lipa, na vinaigre. T'as dit que vinaigre, vinaigre, basala en haut, nagi. Vinaigre, ce que ça dit, il y a un vinaigre, et zachi. Tandis que le même contexte, ce qu'on a dit dans l'histoire, on a nommé la Kabiso, il y a Abraham, il y a Messichedek, il y a Messichedek, après ça qui n'est pas Abraham, après ça qui est Libra, il y a 20. Dans Genèse 14, verset 18, Abraham, Messichedek, après ça qui n'est pas Abraham, Libra, où ils ont symbolisé. Le corps de Jésus, le vin qui symbolisait les sangs de Jésus. Parce que je vous ai dit, Messichedek, Aza tupe y a Jésus. Messichedek, Aza image à Jésus. Après ça qui pas Abraham, Lipa. Après ça qui pas Abraham, Vino. Où ils ont symbolisé le corps à Jésus, Namakile à Jésus. Parce que je vous ai dit, dans la manière dont vous parlez, nous sommes des sacrificateurs pour nos familles. Je vous ai dit que Messichedek, nous vivons dans les sacerdoces de Messichedek. Dans les sacerdoces de Messichedek, nous régnons comme des rois et des sacrificateurs. Et maintenant, le même contexte, nous voyons maintenant ici, Boaz qui prend maintenant du pain et il donne du pain à Ruth qui est sa femme. Et si vous lisez dans les livres de Matthieu 28, Matthieu 26, vous commencez dans les versets 26, au moment où Jésus-Christ, il a pris du pain, il avait donné du pain et du vin à ses disciples. Il a dit, le pain symbolise mon corps, le vinaigre, le vin symbolise mon sang. C'est pareil aussi Boaz. Il est né à aïe. Ah, ils ont contesté. Ils ont dit que les gens Boaz, Azui, Lipa, Péchi, Paris, Talbi, Lipa, Zoa, Lipa. Lipa, ils ont symbolisé nous autres à Jésus. Vino, vinaigre. Ils ont symbolisé Makila, Yayesu. Jésus-Christ, dans Matthieu 26, verset 26, ils ont quitté Jésus-Christ. Azui, Péchi, on ne peut pas ma disciple. Et si vous lisez aussi dans les livres des 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 à 24, Jésus-Christ, il avait donné du pain à ses disciples, il a dit ça, c'est mon corps. Il avait donné du vin qui symbolisait son sang. Et Jésus, à travers cet acte-là, Jésus a fait entrer l'Église, Jésus a fait rentrer l'Église dans l'alliance de Messichedek que nous régnons comme des rois et comme des princes. Plutôt comme des rois et des sacrificateurs. Ah, Maramouze, Belewana. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ est notre Pâques. Aïe, 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 aïe. Pour tout ce qui est, hérite à Adoraki. Dans ce pays, ce qu'on a, adoration et hérite. Tout le temps, pour tout ce qui est, comme hérite, elle avait adoré son Seigneur. Hérite à Adoraki. Pour tout ce qui est, tout ce qui est rapidement. Narite, chapitre 1, verset 10. Alors, elle est tombée sur sa face et se prosterna contre terre. Elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, moi, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Boaz, Azosalele Magamba Malamu, Boaz, Azosalele, t'as la attitude, oh yo, Ruth, et Boaz, à la maman devant Boaz. Ruth, attitude, oh yo, Azalaki, la maman devant Boaz, Azalaki, attitude, à Kofukama. Attitude, à Kofukama, et ça, attitude d'adoration. Attitude, à Kofukama. Ton moni, awa, Ruth, à Fukami, devant Boaz. Kounan a l'accès qui soit dans sa mako, la fin de qui comme disciple. Mais maintenant nous voyons à Fukami. Kofukama c'est l'adoration.
Kofukama, c'est l'adoration. Nakati na Bible kofukama, c'est l'adoration. Kofukama, c'est l'adoration. Tomoni rite awa, afukami devant Boaz. Alobingai, onazanani, pour intéresser nanga, je suis une femme étrangère. Si vous lisez Ephésiens, la Bible nous dit, nous étions séparés de Dieu. Il nous a choisis, nous étions sans Dieu dans le monde, mais il nous a choisis. Nous sommes les concitoyens des saints, ces gens de la maison de Dieu. Les quelque part, parce que nous ne sommes plus des étrangers. Ni les gens du dehors, mais nous sommes les gens des concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. C'est ça, à travers Jésus, à travers la mort de Jésus, à travers le sang de Jésus, à travers à Jésus-Christ. Ekulusu, Ngana Kamolami, Ekulusu. Nekulusu, ngarabiki sami, na 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 na, na koloko da, Yesu nanga, eyamota latina, ngai na koyembela yo, tanga nyoso e, na gomo inanga. Na ekuluso ebele abato o katina mokili oyo e babeta tolo bazali banzambe o kasinga na yebi katila mokili oyo e ezali de na moto moko o yakopela kina eyango dalatina Naina koyembela yo tanga nyonso e inabomo inanga mosusu azalite kaka yo Yesu nanga okufela kinga na ekulusu ay 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 ya morit Rite, Rite, elle est tombée par terre. Rite qui est la femme du Seigneur. Devant Boaz, elle était par terre. C'est prosterner, veut dire adoration. Alalia Fukami. Prosterner, s'agenouiller. Et c'est le même terme, c'est l'adoration. Si vous lisez, vous faites l'étude. C'est prosterner dans latin. Ah, on appelle ça moi, dans latin, dans grec. Dans latin, tant que dans latin, il y a la prière. Kofukama na latin veut dire la prière. Ce qui tozongi na hébreu et lui koloba se prosterner à genoux et lui koloba ayaya kolala na lali ya mungu libosso di bosso nzambe tant que nous venons devant le Seigneur. Ce que mon yo lala lala banda ko adorer. Ce que mon yo fukama fukama. Parmi l'adoration. C'est prosterner. L'adoration veut dire aussi élever aussi les mains. Élever les mains, ce sont des gestes physiques. Ce sont des gestes physiques. Même comme tu as ma boue, c'est adoration. C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, quand nous sommes devant le Seigneur, s'il s'agit d'adorer, adorer, s'il s'agit d'élever les mains, c'est prosterner devant le Seigneur, prosterner. L'adoration, c'est l'attitude corporelle. Et c'est très important devant le Seigneur. Ah, Rite, elle était là pour adorer, adorer, adorer. Quand le Seigneur avait donné son sang, le Seigneur avait donné du pain qui est son corps, le Seigneur avait donné le vinaigre qui est le sang. Et la Bible nous dit, Rite, elle était là, tombée par la terre. Et le Seigneur avait donné des promesses à Rite. Si vous lisez, c'était Boaz qui donnait des promesses. Boaz qui a dit à Rite, ne craignez point. Le Seigneur t'a dit, ma sœur, ne crains point. Tandis que tu passes dans des moments difficiles dans ta vie, cette parole, c'est la parole prophétique pour ta vie. Ne craignez point. Le Seigneur veut les adorateurs. Vous connaissez dans les livres de Jean.
chapitre 4, verset 23-24, parmi les fraises, l'air est déjà sur venir, elle est déjà venir. Et les vrais adorateurs, la Bible nous dit que les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit. Et en vérité, parmi ce sont là les adorateurs que les pères demandent. C'est-à-dire, aïe, Osa, Ruth, son attitude devant Boa, elle était à genoux. S'il s'agit d'adorer, le Seigneur a dit à Jésus, merci. Tu avais versé ton sang pour moi. S'il s'agit d'adorer, Jésus dit à Jésus, merci. Ah, ton sang a été coulé pour moi. Dis à Jésus, merci, tu m'as racheté. Dis à Jésus, tu m'as purifié, tu m'as sanctifié, tu m'as rendu libre. Le rite adore le Seigneur. Le rite, il lui prend du temps pour adorer le Seigneur. Ah, ma sœur, mon frère. S'il s'agit, nous banaye sous merci. Youkou fait du ponanga. Nous banaye sous merci. Nous sommes pas manqués dans nos ponanga. Nous banaye sous merci. Dans la condamnation, mon ressource à mon cliente. Malédiction est zangate. Pauvreté est zangate. Maladie est zangate. Ah, coronavirus est zangate. Tu m'as racheté. Tu m'as purifié. Tu m'as sanctifié. Tu m'as transféré. J'ai aimé transférer. Transaction. Tu m'as transféré dans le royaume la lumière. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Christ à moi, l'espérance de la gloire. La paix m'appartient. La grâce m'appartient. La faveur m'appartient. La libolanda kanga. Aïe, 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 aïe. Loba, la paix m'appartient. Loba, la joie m'appartient. Loba, la faveur m'appartient. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis enfant de Dieu. Je suis racheté. Je suis mis à part. Christ, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ah, la paix m'appartient, la joie de Dieu m'appartient, la faveur divine m'appartient, le bonheur de Dieu m'appartient. Je suis racheté, mis à part. Ma maison est bénie, mes enfants ils sont bénis. Aïe, 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 aïe. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Moi, je pense que je m'arrête ici. Papa, ça, Jésus est béni pour l'angolobaké. Jésus-Christ a son mérité. Adoration à l'Isso. Ce côté, Jésus est en abotami. Parmi ma marge, on va dire que Jésus va pas adorer. Ce côté, il y a un livre à Matthieu, Lik, n'a pas de Biwana. Dans ma marge, il y a un livre à Sango. Jésus a abotami. Il y a un livre à pas Hérode, Kolobake, Toyoki, le roi des Juifs, Abotami, Toye, Tozo, Kolukai, pour toi adorer. Jésus a son mérité adoration. Au moment de la Pierre, devant Jésus, tant à Péchaki, à son qui est le côté, tant que Jésus a dit, Bouaka à gauche, à Bouaki, et si Jésus a dit, Bouaka, tant à mon imbissi Pierre, à Zaki, au Foukama. Tandis que la Bible, Moutou a son mérité adoration, c'est le Dieu. C'est le Dieu. Même si vous lisez Matthieu chapitre 4, verset 4, conversation à Jésus, tant que Satan se voit à Jésus à Foukama, Jésus a dit au groupe Foukama, la Moutoumoussou, c'est celle de Dieu, dès que tu as mérité adoration. Au Foukama, et ça adoration. Mais tandis que vous remontez à Jésus, pas au Foukama, là, et ce que tu as même la livre Apocalypse, mon bimba. Les anges, des multitudes des anges, pas au Foukama, Jésus, au Foukama, là, Jésus. Vous savez, même les centeniers, oh, moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis au moins, les fils les fils des Zébédés, tant que maman n'a pas qui pour la concilier Jésus, pour qu'on n'aille pas faire dans la gauche et droite, dans le royaume à Jésus. Parmi tant que ça, il va foucami devant le Seigneur. Jésus-Christ, c'est déjà mérité adoration. Jésus-Christ, ça a mérité adoration. Attitude dans le foucami, adoration. Dans la Bible, dans l'Apocalypse, Jésus a mérité amour, a mérité adoration. C'est lui qui est le véritable Dieu. Il va où est Zayo? Tika semaine Pâques oyo, Ezra malam ponayo, Ezra Pâques y a prospérité, Pâques y a restauration, Pâques y a protection, Pâques y a épanouissement, Pâques y a bonne chose, y a faveur divine. Loba je suis béni, Loba je suis béni, Loba je suis béni. Au nom de Jésus, tout le monde est là.